Il y en a qui disent que Rabelais, qui se trouvait à l'université de Tours, avait pour compagnon d'études beaucoup de Bretons qui étaient là-bas, parce qu'il n'y avait pas encore d'université à Nantes. Et donc, c'est pas interdit de penser qu'il ait entendu Gargantual se balader dans les histoires de ses condisciples Bretons. C'est pas interdit, je sais pas. Peut-être c'est l'inverse. Hein. Il allait de la Grande Terre ici jusqu'à Belle-Île, Watt, Edic. Il avait de l'eau jusqu'ici, quoi. À peu près. Pas plus, toujours. Il était grand, mais grand, mais grand, mais grand, mais grand. Et il avait des... il avait des bras comme... Ouais, trois fois mes cuisses, là, à peu près. Hein? Facile, facile. Et des mains! Oh, une tête! Oh là là là! Mais en fait, Gargantual était un géant extrêmement gentil. Il ne faisait de mal à personne, ni à bête, ni à homme. Toujours prêt à rendre service. Et surtout, toujours aimant se mêler aux enfants. Toujours, 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 toujours. À tel point que quand il apparaissait quelque part, et on le voyait, parce que lorsqu'il passait, sa masse était tellement grande qu'elle cachait le soleil. Donc les enfants le voyaient venir et l'entendaient venir à travers la campagne. Et les enfants couraient après lui. Gargam, 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 où vas-tu, où vas-tu? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous êtes d'ici, oui. Les habitants d'Auray, il y en a beaucoup qui ont la figure toute jaune. Ils ne sont pas très fréquentables. C'est pourquoi, madame. C'est Gargam. J'ai sorti ma tête et je l'ai mise plaque sur mes épaules et vous voyez, depuis elle marche très bien. Hop là, dit le grand, jamais j'avais entendu une histoire extraordinaire comme ça. Ah non, jamais, 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 jamais. Mais, dit-il, hein, il était grand temps que j'arrive, vous savez. Parce que quand je suis arrivé avec ma baramine, eh ben, il y avait un loup occupé à manger ma tête. Ah oui, dit, oui, mais alors. Un coup de baramine dessus, puis le loup, zigouillé, quoi. Mais il dit, mais il s'est passé une chose que je ne vous ai pas dite. Ah, tu dois me dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Monseigneur, je dois dire que non, je n'ai pas trop envie de vous dire ça parce que vous allez me traiter de menteur. Et bon. Non, j'assure que tu diras la vérité. Je ne traite jamais personne de menteur. Jamais, jamais, jamais. Que t'est-il arrivé? Mais quand j'ai donné un coup de baramine sur le dos du loup, il y a quelque chose qui est sorti par son derrière. Oh, qu'est-ce qui est sorti? Une lettre. Une lettre? Oui, une enveloppe. Une enveloppe. Il y avait quelque chose dans... bien sûr, il y avait quelque chose dans l'enveloppe. De l'argent? Oh, non, pas du tout. Non, il y avait un billet dans l'enveloppe. Enfin, un mot écrit dans l'enveloppe. Ah, hein? Qu'est-ce qu'il y avait d'écrit là-dessus? Il dit... garçon, heureusement que je sais lire, mais ça, je ne peux pas vous dire. Non. Dis-moi. Non, monseigneur, vous ne pouvez pas m'obliger à vous dire ça. Non. Dis-moi ce que c'était. Monseigneur, puisque vous le voulez, je vais vous le dire. Il était écrit dessus que votre père, avant d'être roi, avait été commis-meunier chez mon grand-père à moi. Il y eut, comme il y a ce soir, un grand silence. Et on entendit le comte dire tout d'un coup. Menteur ! On en connaît beaucoup qui gagnent leur vie avec des mensonges. Non ? Oh là oui, beaucoup. Et parmi les plus jeunes d'entre nous qui sommes là, on sait bien mentir aussi, hein ? Tout à fait.